Salut les sages, on se retrouve pour un nouveau chenille et comme vous pouvez le voir, je suis tombé sur Grain Dur et je suis vraiment super content car c'était ma cible sur cette route. J'étais venu sur cette grotte afin de le trouver et je suis vraiment super ravi quoi. Ça faisait à peu près 2 semaines que j'avais arrêté de chasser parce que j'étais pris par pas mal de choses et là j'ai décidé de le reprendre aujourd'hui et après quelques petites rencontres, il décide d'apparaître. J'étais vraiment super surpris. Il m'a fallu même pas 10 minutes de chasse pour le trouver. Je suis vraiment super content. Je l'ai vu apparaître. C'était assez hallucinant. Je l'ai reconnu tout de suite. Il flash vraiment abusivement. Je pensais pas qu'il m'aurait autant flashé. Mais je l'ai reconnu direct dès qu'il était arrivé. C'était vraiment incroyable. Ouais, donc voilà, pendant 2 semaines j'avais arrêté de chasser là, parce qu'avec les cours j'avais pas mal de choses à faire. D'ailleurs, je viens de passer un oral là, un oral, une épreuve d'examen qui était assez chiante. Du coup, bah, une fois que cet oral s'est terminé, bah, j'en ai profité pour reprendre la chasse et ça m'a permis de trouver Grain Dur quoi, donc je suis vraiment super content. Donc, cette recherche là, je l'ai commencé en double avec Spiritomb, que j'avais commencé à la SHTC mais que j'ai repris là il n'y a pas très longtemps. Donc je la faisais en double. Et comme j'avais arrêté la chasse pendant 2 semaines, bah, je faisais Grain Dur en simple sur mon lit. Et il a décidé d'apparaître quoi. J'étais en train de visionner des vidéos de CB Games encore une fois. C'est la troisième fois que je trouve un Shiny lorsque je regarde CB Games. Ce youtubeur me porte vraiment chance, je pense que je vais le faire plus souvent. Parce que 3 fois, c'est vraiment hallucinant, quoi. Et en plus, j'adore ce youtubeur, donc. Merci CB Games. Oh, et en plus, Grain Dur, il est bleu, donc dédicace à Couille Bleue. Pour ceux qui connaissent la référence. Donc voilà. Je suis vraiment trop content. Donc je viens de le trouver il y a un instant. Ben, en fait je l'ai trouvé assez tardivement donc j'ai pas pu le dire aux gens. Donc je leur annoncerai demain quoi parce que là il est assez tard, je voudrais pas déranger. Donc je vous propose qu'on passe tout de suite à la capture. Donc comme vous pouvez le voir j'avais un Starry en tête d'équipe mais je ne chassais pas avec une attirance. Je chassais bien avec mon épiège, mais j'ai mis Starry en tête d'équipe parce que je n'avais rien d'autre à mettre. Donc, ouais. Mais j'avais un Manetti KO en première position, donc je le faisais avec mon épiège. Donc s'il y avait certaines personnes qui se posaient la question, bah, je vous réponds. Donc bon, bah, c'est parti. On va le capturer, par contre je ne sais pas si je vais le faire évoluer. Je ne sais pas parce que j'avoue que le Grain Dur est vraiment très beau. Mais en fait le problème c'est que Noisier c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Mais en Shiny, je suis un peu sceptique. Donc je sais pas trop. Donc ce que je vais faire c'est que bon, je vais lancer une boule. Je vais lancer une filet. En plus c'est un mâle donc ça va bien avec sa couleur. Donc je sais pas trop si je vais le faire évoluer. On verra par la suite. Là, la première chose que je vais faire, c'est le capturer. Ok, j'ai un mâle si tu veux. Allez, ne mets pas trop de temps, s'il te plaît. Trois. Capturé, parfait. Grain Dur est attrapé, c'est génial. Donc ça fait un Shiny 5G de plus dans ma collection, donc ça fait vraiment plaisir. Donc donner un surnom, je n'ai pas trop d'idées, malheureusement, je suis désolé. Donc bah, tu resteras
surnommé Rindure. Donc je vais sauvegarder. Non, je vais faire l'épreuve dans l'air d'abord. Voilà, je vais faire quelques petites preuves dans l'air et ensuite on va sauvegarder. De toute façon, il n'y a pas le feu. Ouh, putain, un grain dur normal. Oh la vache, la différence, c'est hallucinant. Oh la vache. Qu'est-ce que je suis content d'être tombé sur lui, c'était ma cible en plus. Donc avec manet piège, il était à 30% au dernier étage de la grotte. Il était à 30% et il y avait Tic aussi qui était à 43%, c'était le plus fréquent de la route. Moi c'était mes deux cibles en fait, donc j'avais 73% de cible. Donc c'est génial. Donc je vais m'empresser de sauvegarder. Donc voilà. Et pour la première fois de ma vie, j'ai fait la recherche en comptant avec ma carte dresseur. Je n'ai jamais fait ça auparavant. Donc je vais découvrir le chiffre en même temps que vous. Donc c'est parti. Alors, quand j'ai commencé la recherche, j'étais à 5402 rencontres. J'avais 5402 dans mon compteur. Et là, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous voyez, j'en suis à 8136. Donc, bon, je vous avoue que j'ai un peu la flemme de faire la soustraction là. J'ai aucun outil à côté de moi, franchement, ça me fait un peu chier de faire la soustraction. De toute façon, vous verrez le chiffre dans le titre. Donc c'était pas très grave. Bon, ça doit faire aux alentours de... Bah, attendez, on va faire un petit peu de calcul mental. Attendez, 5402, 8136, attendez. Donc, sachant que j'ai rencontré deux Pokémon après le Shiny, donc c'est comme si j'étais à 8134, donc je crois... Si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai fait 2732 rencontres. Je crois que c'est ça. 2732 rencontres. Donc c'est rien du tout. Donc c'est vraiment génial. Encore mes versions 5G qui me donnent un Shiny. Franchement, je suis très très généreux sur ces versions. La chance continue sur ces versions, ça fait vraiment plaisir. Parce que la WSHC. J'ai trouvé sur mes 9 chaînes trouvées, j'en ai trouvé 7 sur mes versions 5G, donc apparemment la chance continue. Ah là, c'est vraiment génial. Et j'étais à peu près à 12100 chaînes. C'est acceptable. Donc maintenant je vais aller voir la nature. Avec chance, je l'ai dans mon équipe. Donc il est rigide. Donc, rigide pour un noisetier, c'est pas terrible, il me semble. Franchement, je sais pas. Je vais voir ce que je vais en faire. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc, on verra bien. Donc, maintenant, je vais vous le montrer. Hein. Allez, let's go! Encore un gradient normal. Waouh. Je sais pas si vous arrivez à distinguer le normal et le shiny. Mais en tout cas, moi, de ma DS, c'est hallucinant comment il change. Il n'y a pas seulement que ses pics qui changent, c'est aussi ça. Sa carapace qui devient beaucoup plus beaucoup enfin elle a une nuance de gris qui n'est pas la même en normal. Je trouve que il est beaucoup plus beau en Shiny, hein, y a aucun souci.
Il n'y a aucun souci, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai chassé, quoi, parce qu'il est vraiment beau. Donc voilà, il est vraiment super beau. Je vous le remontre. Encore un irradiant normal. Franchement, l'irradiant, je le croisais assez fréquemment lors de la recherche. Donc j'avais quand même de grands espoirs de tomber dessus. Bah ça a pas manqué quoi. Grandeur chaîne. Je suis vraiment super content. Allez, je vous remontre encore. Ouais, voilà. Donc ouais, comme je vous ai dit, c'est enfin 43% de tick et 30% de grandeur. Donc c'était quasiment que ces deux Pokémon qui apparaissaient quoi. Enfin, les autres je les voyais quasiment jamais. Enfin si quand même, mais enfin voilà. Oh putain, je suis derrière. Je suis étreint. J'ai étreint, je vais pas pouvoir m'enfuir. Non. Bon bah. On va attendre. Mais laisse-moi m'enfuir là, putain. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sinon en attendant que ce combat se termine? Eh bien, bah je ne sais pas. J'ai pas trop que dire à part que je suis vraiment super content. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas trouvé de Chenille, il me semble. Le dernier c'était Zigzaton que j'ai trouvé durant les vacances de février. Donc voilà quoi, donc à peu près un mois, plus d'un mois sans Chenille. Donc ça fait vraiment plaisir de retrouver, sachant que j'ai pas chassé pendant 2 semaines là. Donc voilà. Maintenant que cet oral que je viens de passer est terminé, je vais pouvoir me reprendre petit à petit. Je pense que je reprendrai vraiment la chasse quand je serai en vacances, donc c'est-à-dire dans 1 semaine et demie. Là, le temps qui reste jusqu'aux vacances, je reprendrai un peu. Et une fois que je serai en vacances, là par contre, je devrais repartir pas mal. Donc, je vous fais une dernière rencontre et on va se quitter. Voilà. Donc, je souhaite une dédicace à tous les gens à qui je parle en ce moment. Donc, c'est-à-dire l'équipe de la WSHC de l'année d'hiver dernier, donc c'est-à-dire Vincent SH. Je te souhaite bonne chance dans tes recherches. Je sais pas trop ce que tu fais en ce moment. Je crois que tu faisais Wistikra, mais bon, je pense pas que tu l'aies continué. Enfin, je sais pas trop. Donc on verra, tu me diras. Donc sinon, dédicace à Alec. Je ne sais pas ce que tu chasses non plus et je te souhaite bonne chance. À Kain, je te souhaite également bonne chance dans tes recherches. Sinon, Netsky, je te souhaite également bonne chance. À Lucas, alias Mantalo et à Gona. Donc, je vous souhaite bonne chance à tous. J'espère que vous allez trouver vite. Et voilà quoi. Allez, une petite dernière et on se dit au revoir. Bye bye!